Salut tout le monde les copains, donc c'est Tazik, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la vidéo que vous attendiez tous, c'est le pack release. Donc je sais que j'ai vraiment fait la pute parce que je vous ai dit que c'était aux 50 likes que je vous le droppais. Donc faut savoir que je les drop à ma fac, enfin même pas à tout le monde de ma faction. Il y a quelques personnes qui m'ont vraiment vraiment spam sur Discord et qui m'ont cassé les couilles. Et en fait le truc c'est pas que je ne voulais pas, c'est que j'avais clairement la flemme de appuyer sur la vidéo, de faire modifier et de vous le drop. Oui je sais, je suis un enculé youtubeur, bref. Je vous prends un petit peu au début de la vidéo pour vous présenter ce pack et vous présenter le deuxième pack qui est le Choupi Pack, mais vous l'aurez pas tout de suite celui-là par contre. Donc voilà, faudra rejoindre le TS de Menoria que je vous mettrai dans la description et je le dropperai un moment dedans, dans un channel où on verra. Genre c'est pour ça qu'il faut partir les notifications et tout, donc comme ça je le dropperai qu'à cet endroit-là. Du coup, faudra faire gaffe à ce channel-là. Voilà. Ensuite, je vous parle un petit peu de Meno avant la vidéo des packs. Pourquoi? Parce que Meno va réouvrir en juillet. Donc on ne sait pas encore si ça va être au début ou vers le milieu ou à la fin. C'est pour ça que c'est important de rejoindre le Discord. Donc bien sûr il y aura des vidéos promotion genre qui vont apparaître et pour mettre en valeur le serveur pour que tous les joueurs soient mis au courant. Et voilà, ensuite pour tous les gens qui sont youtubeurs ou qui voudraient avoir le rank youtubeur sur Meno, donc c'est hyper simple, je vous mettrai le test de Meno dans la description et vous irez là-bas, vous pouvez MP Gringos, donc Firo ou Warcraft Rock, ils vous expliqueront tous les bails, si vous avez un nombre assez conséquent d'abonnés, et bah ils en profiteront aussi pour directement mettre en partenariat sur le serveur avant qu'il ouvre. Donc voilà, vous pourrez avoir peut-être des avantages en plus. Si vous avez vraiment beaucoup d'abonnés, peut-être une éventuelle rémunération, ça faudra voir directement avec eux, c'est pas moi qui vais vous le dire. Ensuite pour les factions, imaginons que y a un Gus, il vient avec sa faction, vous êtes une dizaine. Si vous venez à 10 sur le serveur, le leader de la faction, il va remporter 250 PB. Et ça se relie pour tout. Donc si vous avez une V1 et une V2 sur le serveur, vous prenez 250 PB. Voilà donc. 250 PV, vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais ça vous fait quand même, je sais pas, 25 stacks d'opsy, je crois que c'est 10 à 15 PB le stack. Donc franchement, je trouve que c'est pas négligeable pour un début de version. Ensuite, pour tous ceux qui posaient la question, vous ne conserverez pas vos spawners, ni vos grades, ni rien. Mais il y a la remise en place du grade empereur, donc c'était le full ambre pour ceux qui se souviennent. Et franchement, si vous prenez un kit empereur, genre pour l'ouverture du serveur, ça vous aide beaucoup. Déjà parce que le kit empereur en revente il vaut super cher, et ensuite il est super utile. Donc voilà, après pour ce qui est des KB, de la fluidité, des lags, etc., on va remettre le PVP 40 TPS, donc ça c'est aussi super important et c'était très apprécié par la commu. Et les KB, bah ça change pas, vous les avez toujours aimés donc on les a pas changés. Donc voilà, pour d'autres questions, bah vous irez directement sur TS, les admins ils vous mouvent d'un coup parce qu'il n'y a pas trop de demandes. Du coup voilà, bon, sur ce les copains, moi je vais vous laisser et faire la petite présentation des packs. À tout à l'heure. Ok, donc les copains, donc là c'est sur batterie faible, donc ça c'est les particules de sharpness, ça c'est les particules de coup critique, et les deux ça donne ça. Donc celui-là, ce pack-là, vous le connaissez déjà, les pommes elles sont comme ça, les underpearls elles sont comme ça, les tacos j'ai pas changé, les carottes j'ai pas changé non plus, les heals c'est comme ça, c'est les particules de heal, donc c'est les mêmes que celle-ci mais en rouge. Voilà, et ensuite on a le Choupi Pack, celui-là y a personne qui. Merde, qui l'a vu encore. Vous allez voir la particularité de ce pack, elle est assez cool. Donc l'épée elle est comme ça, c'est Laver Sword, hein, je précise. Là on a l'arc, les pommes, les underpearls, ça j'ai pas modifié non plus. Ça c'est les heals. Donc ça c'est un pack qui fait un petit peu plus lag quand même, hein, donc faut le préciser. Donc là on a les particules de sharpness, on a les particules de coup critique. Donc c'est les mêmes, juste pas de la même couleur. Et là on a les deux assemblés. Donc voilà. Je vais demander de se retourner, retourne-toi. Et là on a la particularité du pack. C'est que ça n'a pas marché. Attends, c'est bon, merci. J'ai oublié que j'avais mis que sur le topaz. Voilà ce qu'on a sur les armures topaz. On a un petit choupi. C'est bidon à faire, mais j'ai galéré parce que c'était chiant. Mais voilà, c'est la marque de fabrique du Choupi Pack. Comme ça, quand vous jouerez avec, vous verrez quelle faction domine sur Everfight LOL. Donc voilà, je vous mets les liens dans la description. Le Choupi Pack, il y reste pour le moment privé. Justement, comme je vous l'ai dit, il faut rejoindre le TS de Meno et je le dropperai peut-être à un moment là. Vous pouvez toujours essayer de michto les gens de la fac pour l'avoir. Peut-être qu'ils vous donneront, peut-être pas, on sait pas encore.
Donc voilà. Pour le ski du premier pack, il est dans la description. Vous inquiétez pas, je vous redemande pas des likes. Et voilà. Sur ce, les gars, bisous. C'était Tazik.